Et maintenant, les enfants, on passe à la correction des exercices. Allez, on lit la consigne du premier exercice. Entoure le dessin si tu entends le son wa. Alors, où sont les dessins où on entend wa? Le premier dessin, c'est boîte. Le deuxième dessin, c'est les petits pois. Troisième dessin, c'est la voiture. Et à la fin, on a la noisette. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Entoure les oua. Alors, ui, est-ce que ça se lit oua? Non. Alors, oi, ça se lit oua. Voilà. O-I-N, non plus. Ni, non. Oua. O-I, c'est oua. Après, on a encore oua. I-O, est-ce que ça se lit oua? Non. I-N, non. O-I, oui. I-U, non. O-N, non. Alors maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Relis chaque image au mot qui correspond. Alors on commence avec le premier mot. Alors on le lit ensemble les enfants. Doigt. Doigt, la lettre G et T sont muettes, on ne les prononce pas. Alors, on cherche où est le doigt. Et on relit. Voilà, alors le mot suivant, on le lit ensemble. Ta, ma, noir. Ta, ma, noir. Alors, où est le tamanoir? On cherche le tamanoir et on relit. Voilà. Après, le mot suivant, on le lit ensemble. Bois. La lettre S, on ne la prononce pas. Elle est muette. Alors, bois. Où est le bois? Je cherche le bois et je relis. Voilà. Le mot suivant. Poire, poire. Alors, je cherche la poire et je relis. Voilà. Le mot suivant, on le lit ensemble, allez-y. Miroir, miroir. Alors, je cherche le miroir et je relis. Le mot suivant. Voile, voile, hein, voile, je cherche le voile et je relis. Et le dernier mot, boire, boire, et je relis avec l'enfant qui est en train de boire. Alors maintenant les enfants, on passe à l'exercice numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut chercher, je vais lire la consigne, reconstitue les mots. Alors, on doit avoir, avec les syllabes qu'on a, on doit avoir un mot. Alors, quel est le premier mot? Voiture. Le premier mot, c'est voiture. Maintenant, le deuxième mot. On a toi, on a re et on a tu. Alors, toiture, toiture. Et la toiture veut dire hein, un ensemble des toits. C'est un ensemble des toits. Le toit de la maison. Alors, on passe au mot suivant. On a la première syllabe, re, ar et moi. Alors, ar, la première syllabe c'est ar, moi, re. Le mot, c'est armoire. Le mot, c'est armoire. Très bien. Alors, le dernier mot, on a trois syllabes. Le, et toi. Quel est le mot que je peux tirer de ces trois syllabes? Alors, et, toi, le. Le mot, c'est étoile. Très bien, les enfants. Et maintenant, les enfants, on passe à l'exercice numéro 5, le dernier exercice.
Je lis la consigne. Sépare les mots par un trait, puis recopie la phrase. Alors, on doit d'abord séparer les mots de la phrase. Alors, on va essayer de lire. Alors, le premier mot, c'est le. Ils ont déjà mis un trait. Alors, le. Après, c'est roi. Alors, le. Roi. Le troisième mot, c'est quoi? C'est et. Et. Et là, et, ça s'écrit avec est. Et. Alors, le roi est parti. Hein? Le mot suivant, c'est parti. Parti. Le mot suivant, c'est le. Alors, le roi est parti. Le. Et le dernier mot, c'est soir. Le roi est parti le soir. Le roi est parti le soir. Alors, ce qu'il vous reste, les enfants, c'est juste d'écrire la phrase. Alors, on se retrouve après dans une autre vidéo et je vous dis au revoir.